Bien, nous avons le privilège aujourd'hui d'être reçus au Champagne Waris Larmandier avec Monsieur Waris. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici donc sur Avize, sur une parcelle spécifique. Comment s'appelle-t-elle ? Les Regards d'Avize. Alors, les Regards d'Avize, quelles sont les caractéristiques du sol sur cette parcelle ? Alors ici, on est sur un sol très calcaire, vraiment tout en bas de coteau en fait. C'est ça. Et donc, on a ici sur Avize principalement du chardonnay. C'est ça. Et sur cette parcelle-ci, c'est une parcelle qui est traitée en biodynamie. C'est ça. Qu'est-ce que ça implique ? Alors la biodynamie, c'est une philosophie particulière. En fait, c'est du bio poussé un peu plus à l'extrême, où on travaille beaucoup avec les plantes et le milieu cosmique dans lequel elles évoluent. Et au niveau du... Qu'est-ce que ça implique, par exemple, sur le traitement du sol ? Sur le sol, si vous voulez, déjà, on n'utilise plus du tout de produits chimiques, déjà, pour commencer. Comme on peut le voir derrière, on utilise des techniques de désherbage mécanique. Avec un cheval, ici. Et l'intérêt, c'est vraiment de limiter le tassement des sols, en fait. Mais alors aussi, dans ce qui est le traitement de la vigne au fil des mois, la biodynamie implique toute une série de choses. Oui, elle implique toute une série de choses. Déjà, la biodynamie, déjà, c'est deux applications minimum particulières dans l'année. Donc c'est un peu complexe, mais c'est au printemps, dès que les sols commencent à revivre, c'est une application de bouse de corne. Donc la bouse de corne, c'est une préparation qu'on dynamise dans de l'eau, en fait. Et c'est une information qu'on apporte à seulement 100 grammes hectare pour une fumure particulière, c'est-à-dire orienter le sol dans une stratégie particulière dans son environnement, à des jours clés, à des jours racines, etc. Et on fait aussi attention au traitement du sol en hiver. Alors l'hiver, oui, enfin l'hiver, quand on parle de traitement du sol l'hiver, c'est que nous en Champagne, on a un climat assez froid l'hiver, et l'intérêt réel est là, c'est le cheval, en fait, ne tasse pas les sols, en fait. Et je suis revenu depuis 4-5 ans à des techniques anciennes comme le butage. C'est ça, le butage, c'est-à-dire ça permet de protéger le pied pour les périodes de grand froid. C'est ça. C'est-à-dire on passe avec un butoir et on fait une tranche de lard en fait au ras du pied pour recouvrir la souche. Alors bonjour, vous utilisez une technique particulière ici dans la vigne, vous utilisez un cheval. Oui. Alors expliquez-moi quel genre de cheval et quels sont les avantages de l'utilisation du cheval. Alors ce cheval-là c'est un comtois, âgé de 5 ans, donc il démarre dans la vigne, hein, c'est un jeune cheval. Sinon je possède des chevaux belges, très belges, ardennais belges, et de la mule française. Alors l'avantage du cheval un petit peu déjà au départ c'est on évite le tassement, il n'y a pas de tassement au sol. Et puis on peut se permettre de faire de la vigne on va dire avec du dévers, de la vigne un petit peu compliquée quoi. De la vigne moins facile, le tracteur ne peut pas passer, nous on peut passer quoi en fait. On va dire qu'aujourd'hui ça va être un bon complément par rapport au tracteur pour le labour du sol. Et ça s'inscrit aussi dans une démarche de biodynamie. Ah tout à fait, tout à fait, d'ailleurs la plupart de notre clientèle c'est ça, c'est de la biodynamie, oui tout à fait. Alors vous utilisez les chevaux pour quel genre de travail dans la vigne ? Alors là actuellement l'outil que vous voyez là c'est l'intercept, c'est pour nettoyer sous les pieds. Voilà. Ensuite on le repasse en griffe, c'est pour faire l'interrang. Ensuite on bute, c'est-à-dire on rentre dans la vigne avec le cheval et on a un butoir. Donc on ramène la terre sur les pieds pour faire mourir l'herbe en dessous, protéger le pied du gel et puis faire de la terre. Ce qu'on appelle faire de la terre, c'est avoir une terre un peu plus meuble au printemps. Et donc à chaque période de l'année correspond un travail différent du sol. Tout à fait. Tout à fait. Alors en ce moment on est en grande phase d'intercept et de griffage interrang. Et après la vendange, on va certainement regriffer encore un coup, passer un petit coup d'intercept, et après, nous allons buter pour couvrir le pied à rapport à l'hiver. C'est ça. Arrivé au printemps, on débute. Et il y a quelques possibilités aussi qu'on sous-sole. Alors, c'est d'ouvrir la terre pour permettre au gel de descendre dedans, l'humidité, et péter et donner une terre un peu plus souple au printemps. Alors, vous avez des mules aussi. Oui. Quelle est la différence dans le travail par rapport à un cheval ? On va dire que la mule, une fois qu'elle a compris, elle a compris, elle ne revient plus sur ce qu'elle a dit. Quand on dit tête de mule, je pense qu'on peut le prendre dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est formidable. Je suis amoureux de mes mules. Et amoureux des chevaux aussi. Ah, bien entendu. C'est toute ma vie, ça. Merci. De rien.